Dirige Bokto Wensing, activiste social et ancien président de la Marcos. En tant qu'activiste, je peux reconnaître qu'il y a certaines bonnes mesures, il y a certaines des bonnes mesures, je peux dire strictement sur le plan social. Tout d'abord, ça fait moi rappel une campagne que vous connaissez, moi, j'ai mené en tant que président Maurice sur les valeurs d'une île Maurice durable, les valeurs citoyennes d'une île Maurice durable. Donc, le budget fait mention, met l'emphase sur l'énergie verte. L'ambition, l'ILA, y a annoncé, et ça, moi, je trouve ça intéressant, vous dire nous pouvons finir avec charbon, de nouvelles dates aussi, nous dire aussi qu'il nous pouvons diminuer avec l'importation diesel, favoriser l'électrique, mais surtout dire aussi en qu'il s'agit, qui nous pouvons faire, qui au moins nous peut être alimenté avec 60% énergie verte d'ici 2030. Donc, quand nous donnons un aspect-là, moi, je trouve que c'est un aspect qui est à cœur pour un activiste social. Donc, si nous allons sur une philosophie qui nous besoin faire pour protect planet Earth, si nous allons dans sa philosophie que de nous dire que Maurice, petit état insulaire, nous bien vulnérables. Donc, et dans cette mesure-là, mon pensée, il est intéressant et surtout l'implémentation qu'il faut regarder. Dans le cadre d'un activisme social, moi, j'ai à cœur ceux qui sont au bas de l'échelle, ceux qui se trouvent dans pauvreté ou pauvreté relative. Et quand on annonce beaucoup de montants, beaucoup on annonce un montant de 845 millions à être distribué aux ONG qui permettent ce combat-là, c'est un combat noble. Un combat pas facile, un combat de soutenir qui n'ont pour ceux qui sont au bas de l'échelle. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec sa mesure-là. Bien sûr, dans l'implémentation, il s'est venu avec un projet pour qu'il nous capable un jour qui dit mon dans sa situation. Et moi, j'ai envie de préciser que Maurice, nos seules ressources qui nous aident, c'est en termes de human resources. Même pays, nous payons diamant, nous payons l'eau, etc. Et sa ressource-là, nous exploitons-la, fouli. Chaque Mauricien qui n'est pas exploité, il vient un problème. Parce que chaque Mauricien a un talent, il a un potentiel, et il a un talent potentiel, achieve. Un achiever, nous un achiever, c'est une opportunité. Donc, nous ne pouvons pas laisser un aussi, un Mauricien aussi, pas dans une situation où il est capable d'exploiter ce talent, ou de trouver dans une situation d'extrême pauvreté, etc. Et c'est pourquoi, moi, je crois personnellement, les 12 000 logements sociaux qui viennent réannoncer, donc au moins dans une réannoncée, ce qui montre que l'objectif est là, ok, il s'est réalisé, ça 12 000 logements sociaux là, et c'est important encore qu'il nous l'année à ceux qui se trouvent au bas de l'échelle, ou encore ben terrain que Roosevelt Sugar State 10 000, 12 000 lots qui promettaient ben au bas de l'échelle, et surtout cette mesure de rembourse un certain pourcentage dans les emprunts de la construction afin d'assurer que tu veux une toit. Ok, dis-moi, classe moyenne, classe au bas de l'échelle, bien c'est capable d'un toit. Je connais beaucoup de gens qui font souffrir, qui ont un contrat, ou bien des gens qui font un travail self-employed, difficulté de gagner, malgré que nous, la banque, on a beaucoup d'argent pour gagner un emploi, au moins, ils annoncent qu'ils ont gagné un emploi jusqu'à 80% là. Donc, c'est pourquoi on a une série de petites mesures qui, à mon avis, en tant qu'activiste social, je trouve très intéressant. Et important, je ne suis pas économiste, je ne suis pas capable de répondre aux issues de finance, etc., ou mesures fiscaux ou autres. Mais ce que je peux dire, c'est que important, c'est l'implémentation. Et l'implémentation, c'est les hommes dans différentes positions de responsabilité qui lui n'ont. Ok, et c'est bon qu'il puisse être dans ça, une sorte de mécanisme un peu plus costaud encore, pour qu'il grave assurer que l'implémentation les faire, et après que l'année prochaine, et nous sommes capables de trouver qu'il y a avancement fini, non, et non pas mal de mesures fini annoncées, mais pas fini implémentées, et de mal là, à ce moment, il ne crée plus de frustration. Dans un moment difficile, donc on est tous insérés les coudes ensemble, marcher. Et pourquoi mesure aussi qui finit annoncée dans l'argent dans la construction et tout cela moi j'espère aider pour faire faire l'économie relancer et qui Maurice ne capable pas remonter nous à un niveau pareil que moi nous étions avant Covid-19.